Bonsoir, merci d'être là. Merci à la Galerie Perrotin d'accueillir cette rencontre dans un cadre absolument exceptionnel avec un accrochage magnifique. Merci surtout aux intervenants de nous faire l'honneur de leur présence. Elsa Hoog, qui est coordinatrice générale à la Fondation Hartung Bergmann et qui a joué un rôle prépondérant non seulement dans la préparation de la rétrospective en ce moment même au Musée d'Art Moderne de Paris, mais qui est également une cheville ouvrière du quotidien de la Fondation et qui, par ailleurs, joue un grand rôle dans ce qui est actuellement l'édition des actes d'un colloque international qui a eu lieu il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Pierre Watt, professeur à Paris 1. Pierre Watt a commis de nombreux ouvrages. Il est notamment spécialiste du romantisme allemand, anglais, mais également spécialiste du XXe siècle. Il a notamment écrit, signé, de magnifiques monographies sur Pierre Buraglio, sur Claude Viala, sur Ben Rath. Et il vient de signer aux éditions Hazan, Hans Hartung, la peinture pour mémoire, un essai que je qualifierais volontiers de monographie de référence 30 ans après celle de Feu Pierre Dex, qui a été pendant longtemps au sujet de Hans Hartung une sorte de somme qui eh bien, permettait d'avoir un point de vue tout à fait exhaustif. Et bien Pierre, qui d'ailleurs a été primé par le prix Pierre Dex l'année dernière, Pierre, pour ainsi dire, prend le relais et c'est un grand bonheur. Et puis Pauline Marie est chercheuse historienne de l'art, spécialiste des liens entre art et cinéma. On doit notamment à Pauline Marie un livre tout à fait fascinant, Le Voyeur et l'Halluciné, sur l'op art et le cinéma, qui émane d'un travail de doctorat sous la direction d'Arnaud Pierre, qu'on salue puisqu'il est dans la salle. Et puis Pauline Marie a fait une... des commissaires d'une exposition tout à fait remarquable l'année dernière à Nice, au MAMAC, Le Diable au corps, et surtout, elle vient de publier un livre sur Hans Hartung, Hartung Nouvelle Vague, de René Verromer, un livre inattendu sur les liens entre Hartung et le cinéma. Au fond, quand on regarde la rétrospective Hartung, il y a une phrase qui frappe quand on conclut ce trajet à travers les salles du Musée d'Art Moderne, c'est le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre. Et quand on parle de Hartung, qui est né en 1904 à Leipzig et qui est mort en 1989 à Antibes, qui traverse vraiment le XXe siècle, on pourrait se dire comme ça d'emblée que raconter Hans Hartung, ce serait d'abord le raconter par la peinture. Une peinture abstraite qui commence au début des années 20, notamment avec des aquarelles et puis des craies qui sont ce qu'on appellera plus tard l'informel, le gestuel, le tachisme, l'action painting, et puis qui se termine en 89 avec ces grandes peintures à la sulfateuse, ces dégoulinures et cet aspect très vitaliste, alors que le peintre est en train de diminuer. Et il y a une unité dans tout ça, il y a également plein de ruptures technique, c'est ça qui, au fond, ferait Hans Hartung. Sauf que Hartung, c'est aussi un être de chair, un être romanesque, avec un destin qui est notamment marqué par la Deuxième Guerre mondiale, la perte d'une jambe, alors qu'il combat du côté des Alliés, malgré sa nationalité allemande, sa naturalisation en 1946, et puis une vie véritablement de gloire, à partir de la fin des années 40, jusqu'à sa mort, qui contraste avec une première partie qui était une vraie vie de bohème, de misère parfois, de ténacité souvent. Je crois que tout le grand enjeu de l'exposition au Musée d'Art Moderne a été de faire vivre, d'incarner véritablement ce personnage, non seulement à travers des œuvres, mais également, et c'est ce qui frappe, à travers beaucoup d'archives. Elsa Hoog, au moment de la préparation de cette exposition Hans Hartung, comment est-ce qu'on incarne du coup un peintre abstrait à travers des archives? Alors ça a été l'enjeu de cette rétrospective. On pourrait dire que Hans Hartung nous a grandement facilité le travail en étant un artiste qui a beaucoup conservé, qui avait très tôt, très jeune, conscience de sa postérité et qui a gardé, qui a cette incroyable traversée de guerre et qui, malgré cela, a conservé ses carnets de jeunesse, a conservé beaucoup de choses, a mis en place aussi tout au long de son travail une administration très solide dont Pierre Watt parle beaucoup.
Donc, les archives sont gigantesques, sont très importantes. Mais avec Odile Burlureau, la commissaire de l'exposition, l'enjeu, c'était vraiment de l'incarner, donc de faire sentir vraiment cet homme qui se construit dans son parcours, et notamment par beaucoup d'écrits de jeunesse. Je pense que c'est peut-être les choses qui sont les plus frappantes dans l'exposition. Ce sont ces carnets de jeunesse des années 20, qui sont d'ailleurs aussi évoqués par Pauline Marie et Pierre Watt, et qui sont touchants parce qu'on a affaire à un artiste qui est jeune, qui n'est pas encore reconnu, mais qui commence déjà à s'exprimer et qui conservera tout cela et qui exposera aussi ses œuvres de jeunesse. Je pense que la période de jeunesse a été vraiment fondatrice. Et ensuite, ça a été le fait de dégrainer toute cette vie jusqu'à la gloire, la mise en scène. Hartung est aussi quelqu'un qui, quand il est au sommet de son travail, joue beaucoup avec les photographes, avec les caméras, ce que montre aussi très bien Pauline Marie. Et c'est ça aussi qui a été qui a été très important dans cette rétrospective, et je pense magnifiquement menée par Odile Burlureau. Il y a beaucoup notamment de portraits photographiques, en effet, de Hartung. On le voit beaucoup travailler dans l'exposition. Mm-hmm. Exactement, c'est vrai que Hartung est vraiment un peintre du geste, et ce geste est très mis en scène parfois sous l'œil des photographes. Il aime recevoir des photographes, et des photographes très connus, je pense au duo de Schenkender notamment, ont immortalisé l'artiste, et ça aussi c'est montré. C'est vraiment, il y a par la photographie aussi une histoire, je pense notamment dans les années 60, de Hartung sous l'œil des caméras, avec ce geste qui se déploie et qui est très, très richement mis en valeur aussi dans l'exposition. Un artiste, c'est beaucoup de mythes à son sujet, beaucoup de légendes, alors entretenues par l'artiste lui-même, son fameux discours autorisé sur lui-même, la façon dont il construit sa propre image. C'est aussi le croisement avec des pièces qui vont permettre de le connaître plus intimement et parfois de contredire aussi l'image qu'il s'est donnée de lui-même. Je crois, Pierre, qu'au cœur de votre ouvrage, La peinture pour mémoire, il y a vraiment ce travail de va-et-vient entre ce que Hartung disait de lui-même et ce qu'il était véritablement. Oui, si on prend par exemple ces photographies de lui en train de travailler, on voit complètement la dualité d'Hartung. Ou si on fait comme ce que j'essaie de faire dans mon ouvrage, par exemple si on part du propos d'Hartung lui-même, puisque Hartung, en 1976, publie une autobiographie qui est faite à partir de morceaux de conversations enregistrées, retravaillées par lui, et qui s'appelle Autoportrait. Et en fait, dans cette autobiographie, il se raconte, mais en se racontant, il construit effectivement ce qu'on appelle un récit autorisé, c'est-à-dire qu'il construit une sorte de mythe de lui-même, fait construit à partir d'un certain nombre d'anecdotes qu'il va répéter autant que faire se peut pour qu'elles imprègnent précisément sa réception critique, et pour construire une forme de mythe de l'artiste. Mais en même temps, cette façon de construire un mythe, c'est aussi une manière de se mettre derrière un paravent pour pouvoir être libre et pour travailler. Est-ce que vous voulez bien juste raconter la première anecdote qui est très célèbre, mais je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse ici, évidemment, oui, qu'il raconte au début de ses mémoires de 1976? Oui, l'anecdote fondatrice qu'il raconte à plusieurs reprises et dont il choisit de faire l'ouverture de son ouvrage. Il raconte que quand il était enfant, il avait peur des orages. Et quand il était en particulier chez sa grand-mère à Leipzig, sa grand-mère leur interdisait aux enfants de sortir sous l'orage puisqu'il avait peur des orages. Et un jour, dit-il, il a compris ce qu'il fallait qu'il fasse, il a pris une sorte de carnet, un cahier, et il est sorti avec un carnet et un crayon, et il s'est mis à dessiner sous l'orage, dit-il, et il prétend qu'il se disait que s'il parvenait à dessiner, c'est-à-dire à saisir l'éclair avant que le tonnerre ne gronde, alors il ne pourrait plus rien lui arriver. Et donc il s'est mis à remplir des dizaines de carnets comme ça, hein, ce qu'est les Blitzbücher, les livres d'éclairs. Et il en fait une espèce d'emblème. Et c'est exactement cette affaire de Hartung. C'est-à-dire que c'est tellement beau que ça a une dimension extraordinairement mythique, mais en même temps, le mythe, l'anecdote concentrée, dit quelque chose de la vérité de Hartung, c'est-à-dire ce rapport à l'éclair, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la peinture? C'est saisir une chose avant qu'elle ne s'arrête, mais du moment que vous l'avez saisie, du moment que vous l'avez posée sur la toile, elle est à la fois conservée et en même temps perdue. Elle est d'une certaine manière mise en mémoire. On est dans une tentative de saisie, mais une fois qu'on a saisi, la chose s'abolit. C'est toute la dualité de Hartung. Pierre Elsa, est-ce que l'un de vous deux veut bien, d'ailleurs, au sujet de la perte, faire un petit laïus sur cette pièce d'archive absolument saisissante qui est la liste des pertes? C'est une pièce, c'est vrai, qui est extrêmement
forte et troublante. Je crois que vous la verrez à un moment donné. On l'estime avoir été produite entre 48 et 49. Hartung dresse la liste de ce qu'il a perdu. Donc il dit « j'ai perdu ma jambe ». J'ai perdu ma femme parce qu'il va divorcer d'Anna Eva Bergman, avec qui il se remariera après la guerre. Donc c'est aussi une autre histoire dont on parlera peut-être ce soir. Et j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Il se retrouve orphelin de ses deux parents à 24 ans. Mon passeport, ma nation. Voilà, et il y a l'adresser toute cette liste. Oui, et en fait, il écrit ça parce que il va bénéficier à ce moment-là d'un premier ouvrage monographique qui lui est consacré. Et en fait, il prend des notes pour cet ouvrage. Et la synthèse de tout ça, c'est ce qu'il dit, impression de tout perdre tout le temps. Et 10 ans, c'est exactement comme l'affaire de Leclerc, impression de tout perdre tout le temps, c'est une phrase qui est proférée par quelqu'un qui garde tout, tout le temps, depuis toujours. C'est-à-dire qu'on a, Hans Hartung, c'est un artiste qui est auto-archiviste, absolument ahurissant. Si la fondation Hartung Bergman existe aujourd'hui, c'est en grande partie en raison de cette pulsion archivistique qui fait qu'à la fondation, si vous voulez savoir à quoi ressemblent les dessins de Hans Hartung à l'âge de 4 ans, moi je le sais, ils sont à la fondation Hartung. Donc impression de tout perdre, alors il dirait, donc je tente de colmater la brèche en gardant tout, on pourrait inverser évidemment la proposition. Mais c'est vrai que c'est tout à fait stupéfiant. Il y a une sorte de compensation de la perte chez Hartung par une folie obsessionnelle de tout garder, qui explique d'ailleurs aussi, je crois, le fait que sa peinture peut être une peinture de la profusion de temps à autre, qui n'est pas du tout une sorte de mécanisme bête et méchant, mais qui est là parce qu'il y a la peur vraiment d'être dans la lacune. D'où aussi cet aspect parfois chez lui vraiment de surabondance qui culmine notamment dans les années 80. Je voulais vous raconter une petite chose, c'est que quand on visite l'exposition, donc il y a des œuvres absolument magnifiques, et puis quand on parcourt la vie d'Hartung à travers les archives, il y en a certaines qui sont très attendues. On se doute bien, quand on connaît un petit peu ce trajet, qu'il va y avoir quelque chose autour de Calder, par exemple, avec qui Hartung était très proche, qu'il va y avoir quelque chose autour des expressionnistes allemands, qui étaient pour lui des modèles. Mais, d'une façon assez saisissante, à un moment donné, il y a une grande galerie de portraits. Dans un passage sur les années 60, on regarde la galerie de portraits, alors on tombe sur Marc Roscoe, dont il était proche, on tombe sur Pompidou, on tombe sur Marcel Breuer. Et puis dans un angle, on tombe sur Éric Rohmer. Alors figurez-vous qu'à la Fondation, ça avait été une grande question. Savoir dans ses archives, pourquoi est-ce qu'il y avait Éric Rohmer. Et au sein des archives de la Fondation, nous n'avions pas la réponse. Tout ça pour vous dire que faire une recherche en histoire de l'art pour connaître un homme, ce n'est pas simplement se fier à ce que quelqu'un a collecté. Il faut avoir la curiosité de regarder ailleurs. Et quelqu'un l'a fait, ce quelqu'un c'est Pauline Marie. Alors je voudrais, Pauline, que tu nous racontes cette enquête autour d'Éric Rohmer qui est absolument fascinante. Oui, alors il faut remonter un petit peu dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les années 60. Éric Rohmer, donc, c'est une grande figure de la Nouvelle Vague, qui était un érudit, esthète, amateur d'art, et qui avait, comme Jean-Luc Godard, en fait, dans son cénacle, toutes sortes de figures un peu de repères, comme Matisse, si vous avez en tête le film « Pauline à la plage », vous vous souvenez peut-être de la reproduction d'une œuvre de Matisse qui est sur l'affiche. La blouse roumaine. La blouse roumaine. Et moi, il faut dire que la première fois que je suis venue à la Fondation Hartung Bergman, c'était pour regarder les archives audiovisuelles, en fait. C'est-à-dire que, comme l'ont très bien dit Elsa et Pierre, il y a énormément d'archives, et y compris des archives de l'ORTF. Bon, les archives de l'ORTF sont conservées à l'INA, mais la fondation Hartung Bergman, en tant que détenteur du droit moral, a ses archives à disposition. Donc c'est fascinant, on voit Hartung en train de peindre à la télévision, enfin pour la télévision, pour l'écran. Moi je dis dans ces cas-là que c'est une sorte d'action painter, c'est-à-dire qu'il va mettre en scène sa virtuosité, hein, comme il n'a plus de jambes, il a tous ses bras pour s'exprimer, et donc c'est une sorte de saltimbanque un peu à l'écran. Et puis il y avait cette archive qui est de 1947, un petit portrait filmé de Alain René.
C'est tout ça pour vous dire que c'est le seul élément de la nouvelle vague de liens, de rencontres entre Hartung et Alain René. Alain René, à l'époque, en 1947, est un étudiant à l'IDEC. Hartung est déjà, sort de la guerre péniblement. Les deux vont devenir des monstres sacrés plus tard, mais pour l'instant, ils en sont à leur début. Donc, moi, je navigue comme ça, je découvre ces archives, et puis, totalement par hasard, en lisant les cahiers du MNAM, cahiers du Musée national d'art moderne, il y a un numéro de 2010 avec une retranscription d'une conférence de Romer. Romer a donné une conférence en 87, et il raconte, en fait, toute l'histoire des citations picturales de ses films, ce qui est, pour une historienne de l'art comme moi, tout à fait passionnant. Et il parle du film Ma nuit chez Maud. Je ne sais pas si vous avez en tête ce film de 69 avec Jean-Louis Trintignant, qui est une sorte de triangle amoureux qui se passe à Clermont-Ferrand. Je passe les détails, mais tout ça pour dire que Romer disait à propos de ce film qu'il avait fabriqué lui-même un tableau à partir d'une photographie et que ce tableau, une fois qu'il le filme, lui fait terriblement penser à Hans Hartung. Et il ajoute que ce peintre, il l'aimait énormément et qu'à l'époque, il venait de voir une rétrospective qui l'avait bouleversée, qui est la rétrospective de 69 au MNAM. Qui est en fait la dernière grande rétrospective à Paris avant celle qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour aller vite, c'était tout à fait intéressant de voir qu'il y avait un lien comme ça entre Romer et Hartung. Et c'est là où je suis tombée donc, sur le fameux portrait photographique de Romer. Et j'ai découvert en fait que Romer avait fait, enfin c'est plutôt Hartung qui a fait partie de la vie de Romer et qu'ils se sont rencontrés en 74. Donc on y reviendra peut-être après pour le déroulé de cette histoire, mais oui, c'est-à-dire simplement pour en dire un mot en vue de faire normalement un entretien ensemble. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait. Romer était cinéaste, mais aussi il faisait des films pour la télévision. Il avait fait le Celluloid et le Marbre en 1966. Et il est allé trouver Hartung pour réaliser probablement un entretien. Enfin, ça, on ne le savait pas, mais c'est une enquête que j'ai menée, plus ou moins recoupée. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1974, il rencontre Hartung. Donc, c'est là où il y a la photographie, puisque Hartung, systématiquement. C'est celle-ci. Systématiquement, Hartung prend en photo en fait, ses invités, ses rencontres. Et il y a un deuxième rendez-vous cette même année qui a lieu avec Constantin Tacou, qui était donc l'éditeur des Cahiers de Lerne. Donc apparemment, une interview devait avoir lieu. Elle a eu lieu, je pense qu'elle a eu lieu, mais comme le numéro des Cahiers de Lerne n'a jamais été publié, c'est un peu une interview qui est restée dans les cartons. Mais il se trouve que, et c'est, je terminerai sur cette pièce, il y a une préface à cet entretien qui nous est parvenue et qui est conservée à l'IMEC, en fait. Donc l'IMEC des archives à Caen. Voilà. Et cette préface, elle est intégralement reproduite dans le livre de Pauline Marie. C'est donc un inédit. Ça a été une des vertus de l'exposition. Ça a été aussi de pouvoir mobiliser des chercheurs qui sont allés fureter un petit peu partout et qui ont découvert des choses vraiment, vraiment passionnantes. Je voudrais d'ailleurs qu'on reste... oui, si je peux me permettre, Pauline, tu disais action painter, tu dis même acting painter dans ton livre au sujet de... Ah oui, c'est un lapsus, je pensais avoir dit acting painter. Je voudrais qu'on reste une seconde, en effet, sur ce Hartung donc, qu'on voit notamment là, dans notre dos, photographié à de nombreuses reprises. Elsa, je voudrais que tu évoques une pièce d'archive incroyable sur laquelle tu viens de tomber, en fait. Tu m'en as parlé il y a deux jours, enfin hier même. C'est cette lettre qu'on vient donc de faire apparaître aux archives de la Fondation, où, d'après ce que j'ai compris, Hartung est comparé à un peintre du quart d'heure, c'est bien ça? Oui, alors effectivement, à l'heure actuelle, je mène un travail sur la correspondance de Hans Hartung et d'Anna Eva Bergman. Il faut aussi parler de cette histoire de couple incroyable. Pour la faire brève, ils se rencontrent en 29, ils divorceront en 38, alors que la guerre mondiale est sur le point d'éclater. Et puis ils se retrouveront à la fin des années 40,
se remarieront, finiront leur jour ensemble. Bref, ils se sont beaucoup écrits parce que, en dépit de cette histoire très dense, ils ont beaucoup été séparés. C'est aussi une histoire de l'Europe des années 30 qui se dessine et dans laquelle il faut rentrer. Et Hartung, en 36, écrit à Anna-Eva Bergman et raconte tout le réseau parisien. Ça aussi, ça fait partie de cette incarnation qui est extrêmement riche et forte. Donc, Hartung est vraiment dans les milieux parisiens. Il fréquente Kandinsky, il fréquente Mondrian, il fréquente les Duisburg, etc. Et il explique qu'une exposition doit se faire à la Galerie Pierre, donc on est au printemps 36. Il dit Mondrian travaille terriblement lentement. Il a l'air de le dire des autres. Il dit, quant à moi, je suis le peintre du quart d'heure. Or, cette Viertelstunde Maler, dit-il. Voilà, c'est difficile à traduire. Redis-le en allemand. Viertelstunde Maler, le peintre d'un quart d'heure. Il parle déjà de la rapidité de peindre, qui est plutôt quelque chose qui sera mis en évidence dans la deuxième partie de son travail, post-60, où il y a vraiment cette action sur la toile. Et pourtant, voilà, il y a déjà... les tableaux minutes de Georges Mathieu, Oui. En fait, c'est tout à fait ça qui est très troublant, c'est que il définit les choses d'une manière qui est très conforme à ce qu'on peut voir dans les photographies ou les films de lui plus tard, et ceci vient télescoper une grande découverte, maintenant qu'il y a une quinzaine d'années, mais sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Pierre, savoir que Hartung, d'apparence, n'est pas du tout le peintre du quart d'heure, mais bien celui de la minutie, de la mémoire et de l'attention. Hartung, c'est le peintre du quart d'heure bis. C'est le peintre du quart d'heure rejoué. C'est le peintre de la demi-heure. Hartung, en l'occurrence, puisque la découverte a déjà été faite il y a un certain nombre d'années, notamment grâce au travail pionnier d'Annie Clauss sur le sujet, et puis grâce au travail de la Fondation, c'est qu'on s'est aperçu que Hans Hartung, de 1932 globalement jusqu'en 1960, la quasi-totalité ou la totalité des tableaux qu'il produit, sauf ceux qu'il peint devant la caméra, devant laquelle il prétend les peindre ex nihilo, sont produits en fait par une pratique de mise au carreau. Une pratique de mise au carreau qui consiste donc d'abord à produire un dessin. Alors, je ne sais pas si produire d'abord un dessin, c'est spontané, mais enfin, en tout cas, d'abord produire un dessin. Et ensuite, de reprendre ce dessin, soit celui qui vient d'être fait, soit souvent un dessin qui a été fait un an, deux ans, parfois plusieurs années auparavant, donc d'aller fouiller dans cette mémoire picturale, pour utiliser ce dessin, pour ensuite faire un report, une mise au carreau, et faire une peinture qui soit un jeu de reprise, avec une espèce de fidélité ahurissante au dessin originel, interprété par la peinture, mais dans ses formes, une exactitude à la goutte près, à la goutte d'encre près. Ce qui veut dire que Hans Hartung, qui devient célèbre sous les auspices de l'abstraction lyrique, dont il est supposé être le père et le chef de file dans l'après-guerre, est en l'occurrence quelqu'un où la question du lyrisme, c'est un lyrisme intégralement rejoué en permanence. Il y a un lyrisme, mais le lyrisme, c'est... Parce que qu'est-ce qu'il va faire de ses dessins, qu'on appelle à la Fondation des maquettes, une fois que le dessin, qu'on est passé du dessin au tableau, le dessin, qu'est-ce qui est fait? Il est archivé. Archivé pour mémoire, comme une sorte de tableau potentiel ou de source potentielle de tableau qui est ensuite mise en réserve et il va ensuite produire cette œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que dans son autobiographie, il attribue le conseil d'adoption de la mise au carreau à Jean Hélion. Or, c'est encore un mythe puisqu'il commence en 1932 et rencontre Hélion 4 années plus tard. L'exposition à la Galerie Pierre où il dit qu'il est le peintre du quart d'heure, c'est une exposition où son tableau va être accroché juste à côté de la figure debout de Jean Hélion. Jean Hélion, auquel il attribue également ce conseil de peindre beaucoup. Précisément, il en fait une sorte de parrain d'élection sous le signe duquel il aurait adopté cette méthode. C'est faux, mais c'est un hommage qu'il lui rend. Et la question de la quantité, la question de la rapidité, il l'associe non pas à la pratique d'Hélion, mais au conseil d'Hélion. Donc on voit que déjà à ce moment-là, il construit sa propre image. Nous ne sommes pas toujours complètement d'accord avec Pierre, c'est pour ça que je me permets de penser que même si en effet à la Fondation nous avons peut-être trop utilisé le terme de maquette, il ne s'agit pas de maquette, il s'agit bien de dessins autonomes qui parfois connaissent des variations sous forme de peinture, mais bon, je sais que... Ce sont des dessins autonomes dont le destin peut devenir ensuite un modèle pour un tableau. Et quand le dessin devient un modèle pour un tableau, quand il existe un tableau pour le dessin, ça change
rétrospectivement le statut du dessin originel, qui devient de facto une maquette et qui, à partir de ce moment-là, pendant des années, Hartung ne va plus les montrer et les archiver, c'est-à-dire leur retirer cette forme d'autonomie qui consisterait à avoir une vie à part entière et être exposé comme tel. C'est simplement après la guerre qu'il va commencer à montrer des dessins pour eux-mêmes sans les associer au tableau. C'est peut-être une des choses qui va le faire changer de méthode dans les années 60. Il y a des plans absolument magnifiques dans le film de René sur la manière dont René filme la peinture et les dessins de Hartung. Cette valorisation par le regard de la caméra qui vient, j'ai presque d'une certaine manière dire, scanner les œuvres de Hartung. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, Pauline, sachant que ce film, on peut aller le voir au Musée d'Art Moderne en ce moment même, où il est diffusé dans le cadre de l'exposition. Oui. Et il est aussi en ligne, je crois, sur le site de la Galerie Perrotin. C'est vrai. Et d'ailleurs, sur le site de la Galerie Perrotin, il est in extenso, alors que ce ne sont que des extraits au musée. Non, ce petit film, il est vraiment assez déroutant, parce qu'on a deux images de Hartung. On a l'image du Hartung, comme je disais tout à l'heure, acting painter, donc le peintre du quart d'heure, précurseur du tableau minute de Georges Mathieu, une grande théâtralité. La deuxième image qu'on a, c'est celle qui a été rectifiée à juste titre, ou en tout cas amendée par Annie Clostre, et qui est, Pierre ensuite se situe dans une autre veine aussi, mais disons que ça va être le peintre du report qui va produire des petites œuvres et ensuite les agrandir sur des grands formats. Et le film de René est extrêmement déroutant, puisque on voit Hartung en train de peindre, mais avec des gestes extrêmement lents. Il fait même des sortes de repeints. On le voit repasser comme ça sur des boucles. Donc on ne comprend pas très bien ce que c'est. Et d'ailleurs, je crois que même ses contemporains étaient assez déroutés à l'époque. Madeleine Rousseau, Dominique, qui est donc le psychiatre qui l'étudie, il dit... Madeleine Rousseau, qui était une grande critique d'art, qui notamment animait le Musée Vivant à l'époque, et c'est elle qui était professeure à l'IDEC et qui donc avait présenté René à Hartung. Voilà. Et donc, il fait des sortes de retouches sur des motifs abstraits qui sont des sortes d'arabesques, mais il travaille très, 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 très lentement. Donc, on ne comprend pas trop ce que c'est. On le voit quand même aussi gratter. Ce sera son geste, un de ses gestes favoris par la suite. Et il y a un plan quand même qui vaut vraiment le détour, et là aussi pour moi qui est une totale énigme, enfin même si j'essaie de l'expliquer un peu dans le livre, je pense que pour nous tous c'est quand même très mystérieux. Il a un geste ambidextre, c'est-à-dire que des deux mains, au fusain, il va faire des sortes de... Voilà, Pierre nous fait le mime. Il va faire une sorte de boucle... Un peu comme un insecte. Hein. Centripète, comme un insecte. Et surtout, il peint à plat, donc voilà. On le voit, c'est un film très bizarre, où il est comme une sorte de peintre en bâtiment, et je ne suis pas sûre qu'Alain René ait bien compris non plus ce qu'il faisait. En tout cas, il y a peut-être la volonté, c'est la seule chose dont je suis sûre, chez Hartung, de montrer que c'est quelqu'un qui a du savoir-faire, mais au sens d'une expérience profonde de peintre qui remonte, qui revient de loin, en fait. Voilà. J'insiste sur une chose, c'est que, vous savez, dans la manière de raconter un artiste, il faut évidemment suivre les sillons qui ont déjà été tracés, mais il faut essayer aussi d'ouvrir et de, on dit aujourd'hui, décloisonner. Alors pour décloisonner Hartung, c'est vrai que le lien avec le cinéma, le lien avec la nouvelle vague qui était très inattendu, a été, de ce point de vue-là, vraiment quelque chose de tout à fait salutaire. Je dois dire d'ailleurs, je salue Fabrice Ergotte qui nous a rejoint dans la salle, je dois dire que la semaine dernière, il y a eu un événement lié là aussi à la Nouvelle Vague et à Alain René, c'est que la musique originale qui était prévue pour le film, elle était d'Antoine Duhamel, qui a été le grand cinéaste de la Nouvelle Vague, c'est bien ça ? Grand musicien. Grand musicien. Et en fait, il a fait... C'est pour ça qu'on peut dire qu'Hartung est une sorte de peintre de la Nouvelle Vague avant même que celle-ci soit née, puisqu'en 1947, il a déjà rencontré René. Comme tu l'as dit, Duhamel devait faire la bande sonore. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il devait jouer la partition pour enregistrer donc, la bande sonore, les musiciens ont compris qu'il n'y avait pas d'argent de la part de la production pour être payé, donc ils ont dit on la joue pas. Et Duhamel, juste pour vous dire, c'est celui qui fait la musique de Pierrot le Fou de Godard, de Jean-Daniel Paulet Méditerranée, de Truffaut aussi, donc voilà, ça va devenir quelqu'un d'important. Et la semaine dernière, eh bien, pour la première fois,
la partition de Antoine Duhamel a été jouée au musée d'art moderne sur le film de René. Donc c'était très émouvant, sauf que c'est de la musique atonale. Alors c'est vrai que l'émotion naît plus du sentiment qu'on retrouve une page d'histoire que véritablement de la musique elle-même. Mais en tout cas, c'était magnifiquement interprété et c'était de ce point de vue-là vraiment quelque chose de tout à fait. Oui. Et Hartung disait que ça lui plaisait beaucoup le fait que ça soit un film muet du coup. Voilà, il parle de ça, il parle d'expression de film muet, je trouve ça assez intéressant pour le côté chaplinesque justement de sa peinture. Oui, absolument. Elsa, à propos de musique, je voudrais que tu nous racontes un petit peu ce qu'écoutait Hartung, dans quelles conditions, c'était quoi les liens de Hartung avec la musique? Parce que quand on voit cette peinture abstraite, on ne peut pas s'empêcher d'y penser d'une manière un peu automatique, qui dit abstraction dirait musique. Dans le cas de Hartung, c'est quoi exactement? Il y a beaucoup à dire sur Hartung et la musique. Il y a des choses d'ailleurs qui ont été écrites et faites déjà, mais je pense que ça reste à approfondir. Hartung peignait toujours en musique. Hein, alors, les assistants de Hartung racontent que les séances de travail étaient parfois un peu éprouvantes parce que le volume était très très fort et Hartung adorait la musique baroque. Donc il y avait souvent du Vivaldi par exemple qui sortait des haut-parleurs qui étaient installés dans son atelier. Donc je vous parle là de l'atelier d'Antibes. Donc un grand amour pour la musique baroque. Il n'aime pas le jazz, c'est ce qu'il dit, ça lui fait grincer des dents, je cite hein, son autoportrait, son autobiographie. Et on conserve aussi, alors ça fait partie de l'aspect très varié de cette archive, hein, je vous en parlais au début, ce sont des lettres, c'est de la presse, c'est des photos, c'est tout un secrétariat, et puis c'est aussi la discothèque de Hartung, hein, on a nombreux disques vinyles, donc avec beaucoup de musique classique, baroque, avec aussi des choses un peu étranges, de la musique folklorique, voilà, des choses... voilà. J'ai souvenir d'ailleurs aussi d'une lettre de Soulages de 48, Pierre, dis-en un mot. Oui, c'est Pierre Soulages en 48, donc ils se sont rencontrés un an auparavant au Salon des Surindépendants, et ils sont devenus très amis, et c'est au moment où il y a ce projet de monographie sur Hartung. Et Soulages est interrogé pour qu'il témoigne, pour que ce jeune peintre témoigne de son ami un peu plus âgé que lui et qui en passe de devenir célèbre. Et cette lettre de Soulages est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne parle absolument pas de la peinture de Hartung. Il dit « De cette peinture, je ne vous dirai rien, mais je peux vous parler de l'homme, et c'est un homme qui aime la musique. » Hein, globalement, donc il parle de ses goûts musicaux, il parle de Bach, il parle de Bach et ce genre de choses. La question de la musique, elle est là vraiment toute la vie. D'ailleurs, quand on est à l'atelier, on voit les haut-parleurs très vintage, années 70, qui sont encore un peu partout dans l'atelier. Et je pense que c'est à la fois la condition pour faire de la peinture, c'est-à-dire que le dernier Hartung, âgé, en fauteuil roulant, qui peint à la sulfateuse de jardin, peint de nuit avec ses assistants, en écoutant toujours la même musique, les Goldberg en boucle, une certaine version, on a toutes les versions, c'est ça qui est formidable avec lui, on sait exactement ce qu'il écoutait, tout en buvant du vin. Donc on voit que la musique joue comme une espèce de... Il ne peint pas la musique, il peint en musique, en peignant avec la même musique qu'il connaît par cœur, dans une familiarité, et c'est comme une espèce de mise en condition, une manière justement de raviver la mémoire la plus profonde. Et puis à un moment, beaucoup plus tôt, je crois que c'est dans un entretien avec Jean Clay qu'il dit ça, dans les années 60, si je ne me trompe pas, à Paris, quand il est encore Hugo Gay, on a vu des images, il compare... C'est-à-dire, juste pour préciser les choses, Hartung avait un grand atelier à Paris, en dehors de l'atelier d'Antibes, voilà. Dans lequel il entre en 1973, voilà. Il avait un atelier Hugo Gay. Dans le 14e arrondissement, c'est une maison-atelier qu'il a construite avec sa femme, et qu'il va quitter définitivement pour Antibes. Et il compare son geste à celui de l'archer de Pablo Casals, dans les suites pour violoncelle seule. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que quand il compare ce geste à celui de l'archer, c'est qu'il montre que la ligne chez lui n'est pas qu'une affaire de geste et de déplacement, c'est une affaire de tension. C'est-à-dire que chez Hartung, le trait est un trait qui estampe, c'est vraiment un trait de graveur. C'est une manière d'inciser plus ou moins la surface. Et quand il se compare à Casals, c'est autant la question, c'est un geste qui est à la fois de déplacement et précisément de tension pour faire naître le son. Je pense que c'est une métaphore qui joue pleinement son rôle chez Hartung. Pierre, vous disiez qu'il y avait donc chez Hartung le vin qui était très présent, l'ivresse. Elsa, comme on conserve tout à la Fondation, je voulais savoir si dans les archives, il restait quelques bouteilles. Il y a la bouteille de champagne Tétinger décorée par Hartung en 86.
Non, mais on a plus que les étiquettes, je crois qu'il y a... Non, on a une bouteille, mais elle est vide. Oh, pardon. En tout cas, une chose est certaine, c'est que là, dans ce que vous racontez, Elsa, Pierre, il y a la construction, on peut se représenter, on peut se raconter un Hartung par le biais des œuvres, par le biais de ce qu'il écoutait, par le biais des archives. C'est quelque chose en creux qui apparaît dans ton livre, Pauline, c'est qu'au fond, toi, tu cherches à raconter Hartung par des cinéastes qui n'ont pas directement parlé de lui. Alors, c'est quand même un sacré défi. Quel Hartung est raconté par les films que tu analyses? Juste, je les cite brièvement, Le glaive et la balance de Kayat, le film évidemment de René, Anthony Perkins jouant ou campant une sorte de Hartung dans Le glaive et la balance, La métamorphose des cloportes, ça c'est de Granier de fer, c'est ça, et puis j'en oublie évidemment Éric Rohmer avec ma nuit chez Maud. Et le follet de Louis Malle. Oui, alors je suis assez transparente sur ma démarche et une totale instrumentalisation de la chose, c'est-à-dire que je me sers tout autant du cinéma pour raconter Hartung à travers des angles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Donc le livre est construit en quatre parties, chaque partie est consacrée à un film, et ce film-là cristallise une sorte d'imaginaire de Hartung que j'essaye de révéler à travers un portrait. Donc je vais donner un exemple. On a eu l'occasion dernièrement avec Pierre de faire une sorte de soirée conférence sur Hartung et la folie. Hartung et la folie, ça s'appelait comme ça. On fait une sorte de tournée en fait, dont, oui. dont vous êtes un moment. Exactement. Et donc l'hypothèse c'était, est-ce que Hartung a été fou? Pourquoi Hartung aurait été fou? Eh bien parce qu'avec tous les traumatismes qu'il accumule après la guerre, il y a des fortes chances que voilà, il y ait eu des sortes de défaillances à un moment donné. Et puis par ailleurs, il est dans une pathologie de la mémoire, du contrôle, etc. Et cette idée de Hartung fou, elle m'a été suggérée par le cinéma lui-même, notamment par un film qui s'appelle Le glaive et la balance d'André Cayatte. Alors André Cayatte, en deux mots, c'est un cinéaste un peu oublié, qui commence à être réhabilité, qui incarne vraiment la gauche militante des années 60, qui fait un cinéma de justice avec des films à thèse, qui cherche vraiment à montrer à chaque fois les failles de la justice et la façon dont les hommes se font broyer par elle. Et Le glaive et la balance, c'est l'histoire d'un film où il y a deux coupables et un innocent sur un meurtre d'enfant, mais on ne sait pas lesquels. Et parmi ces suspects, on a un peintre qui est joué par Anthony Perkins, et ce peintre, qui est une sorte de mauvais peintre, d'ailleurs un peintre abstrait américain, qui donc est possiblement tordu, hein, possiblement psychopathe, on ne le saura jamais parce que Cayatte se garde bien de nous le dire, eh bien ce peintre en question, il peint des tableaux à la manière de Hans Hartung. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a... Comment tu l'as découvert, ça? Alors, là aussi, petite instrumentalisation de ma part, puisque quand j'ai... Enfin, c'est de la recherche, tout simplement, mais quand j'ai commencé à voir qu'il y avait Alain René, Éric Rohmer, qu'il y avait plusieurs dossiers cinéma sur Hartung, j'ai cherché et j'ai regardé tous les films qui avaient été produits par les studios de la Victorine, enfin, tournés au studio de la Victorine dans les années 60, puisque Hartung est à ce moment-là, là. Et donc j'ai découvert ce film avec un scénario d'un peintre à Antibes. Donc je me suis dit que voilà, peut-être il y avait du Hartung, et c'est presque la prophétie autoréalisatrice, puisque oui, il y avait du Hartung dans ce film. Et tout ça pour dire que Perkins, qui vient de tourner Psycho avec Hitchcock, qui est à l'affiche du procès d'Orson Welles, là aussi sur des questions de justice, le fait qu'il se retrouve dans le rôle d'un peintre un peu décadent, marginalisé, peut-être fou, il y avait quelque chose à creuser là. C'est-à-dire comment ça se fait que Cayatte projette ça sur Hartung, alors qu'Hartung, à l'époque, il est sage, il est en pleine gloire, il marche il bien. Il est installé. Il est installé, voilà. J'en profite juste pour... vous ne le verrez pas d'ici, mais comme vous ne manquerez pas d'acheter et le livre de Pierre et le livre de Pauline, il y a une double page absolument saisissante, donc où Pauline Marie a fait une capture d'écran. On voit donc des œuvres à l'arrière-plan qui sont des pastiches de Hartung, qu'elle a mis en correspondance avec des œuvres qui sont, elles, bel et bien de Hartung, et ça correspond parfaitement. Juste, tu n'es pas allé complètement au bout de l'histoire, tu as vérifié par une pièce d'archive.
que c'était bel et bien inspiré par Hartung. Juste dis-le en deux mots, parce que c'est complètement... En deux mots, on dispose d'outils quand on est historien de l'art, qui sont, pour les films, les scénarios. C'est très important d'aller voir un scénario, puisque le scénario, c'est un peu un cahier des charges pour le décorateur. Donc le scénariste peut mettre des indications en disant « Bon, ben voilà, dans tel salon, il faudra des tableaux, je dis n'importe quoi, à la braque. » parce que ça fait partie du goût bourgeois du personnage. Donc le scénario, c'est à la fois le cahier des charges et ça permet de savoir les intentions du film. Très souvent, il n'y a pas grand-chose dans les scénarios. C'est assez décevant. Et donc, j'ai une expérience un peu décevante parce que j'ai consulté d'abord le scénario, donc Le Clave et la Balance, écrit par Kayat. Et la première scène où il est question de Perkins et de la peinture, il n'y a rien. Et ensuite, il y a une deuxième scène qui a lieu avec un collectionneur un peu véreux, un peu là aussi pervers. Et il les dit, c'est un tableau, il tient dans les mains, enfin, un gros plan, c'est un tableau dans le style de Hans Hartung, si je me souviens bien, deux points, quelques traits. Voilà, donc ça c'est la preuve irréfutable. On s'amuse beaucoup en disant que c'est un peu le Graal alors que c'est pas grand chose, mais que ça nous permet au moins de dire, voilà, c'est sûr que ces inspirations... viennent de Hans Hartung. Tout ça pour vous dire, vous faire partager une chose qui est quand même très curieuse, c'est que quand on est historien de l'art, qui est d'abord quand même un métier d'aller fouiller dans les archives, ce genre de toutes petites choses qui, pour évidemment l'ensemble de l'humanité, semble parfaitement dérisoire, ça nous met particulièrement en joie. C'est comme la lettre que tu citais tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de choses d'ailleurs à découvrir. Alors, je le dis, justement, c'est exactement ce que je voulais te demander. À ton sens, dans les temps qui viennent, quelles vont être les grandes choses à découvrir au sujet de Hans Hartung, à la fois dans sa peinture et puis dans sa démarche? Qu'est-ce qui reste à creuser? Faut rappeler déjà ce qui a été fait. C'est vrai que la fondation a été créée en 1994. Il y a vraiment une somme de travail extraordinaire qui a été faite, notamment le développement de bases de données qui permettent, je pense, un confort de travail important pour les historiens de l'art. Mais c'est vrai que c'est tellement pléthorique, ce fonds d'œuvres et d'archives, qu'il reste encore dépend. Je pense à la photographie, notamment. Hartung a été photographe. Il y a eu des expositions, d'ailleurs, de son vivant. Hartung photographe. La seule exposition... 81. La seule exposition au Centre Pompidou de Hartung 82. Était une exposition Hartung photographe. Si, voilà, bref. Mais dans sa pratique photographique, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à écrire. Alors lui-même a décidé de ses photos. Alors on conserve près de 30 000 négatifs. Donc c'était vraiment un fou de la photographie. Il a décidé d'en sélectionner de ces tirages certaines qui ont vraiment fait œuvre et qui ont été exposées. Et donc c'est pour nous vraiment un fond d'œuvre bien déterminé. Et donc, c'est aussi ce que Odile Burlot a choisi d'exposer dans la rétrospective. Mais il y a aussi, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Et il y a dans cette pratique folle de la photographie chez Hartung qui revient, et on en a beaucoup parlé, à cette folie, à cette pulsion d'enregistrement, à cette pulsion archivistique, comme dit Pierre, des choses vraiment à creuser. Je pense notamment à la fin de sa vie. Il photographie avec un petit appareil qui fait des... Un Minox ? Oui. Voilà, il a aussi un petit Konica. Enfin bref, c'est... Ah, pardon. Non, oui, donc, je pense vraiment aux années... C'était pas un Minox. Donc. Non, je pense plutôt que c'est son petit Konica de qu'il a sur la toute fin de sa vie. Et il prend des photos en permanence, par exemple. Alors, ça touche parfois à des choses un peu triviales, un peu... qui peuvent être un peu dérangeantes, notamment un trajet dans une ambulance où il va prendre en photo son pied. Alors c'est quelque chose qu'on a exposé dans une exposition en Allemagne. Aussi, le seul qui lui reste. Oui, voilà. Il prend des photos de tout. Alors c'est un peu aujourd'hui, je pense qu'il aurait beaucoup aimé le numérique, il aurait peut-être beaucoup aimé les réseaux sociaux, Instagram, que sais-je encore. Mais c'était vraiment un photographeur fou. Il prenait parfois son assiette en photo, il se prenait en photo dans son miroir. Il y a tout un fond de photos qui... Voilà, il y a quelque chose à faire, je pense, encore sur la photographie. On a parlé de la musique. C'est vrai que ce qui est beau avec Hartung, c'est que c'est un artiste qui traverse le siècle et puis qui touche à énormément de choses, à beaucoup de pratiques,
à beaucoup de réseaux. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que Pauline notamment a creusé un Hartung des années 60 qui était sous-évalué peut-être. Évidemment, Hartung et le cinéma, comme tu le dis au début, c'est pas un sujet. Et pourtant, si tu en as fait un sujet, et quel sujet ? Et je pense qu'il y a... Le sujet n'existe pas. Oui, c'est vrai. Oui, le livre commence par « Ce sujet n'existe pas bon, ». Et puis finalement, il y en a 250 pages. C'est un très beau pages. Paradoxe qui est... il faut que vous lisiez ce livre. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Je vous parlais de la relation aussi Hartung-Bergman, je pense. On représente deux artistes dans cette fondation. On a pris le parti de les traiter de manière très autonome parce qu'il y en avait vraiment besoin, je pense, pour respecter l'intelligence profonde de chacune des œuvres. Mais il y a aussi beaucoup maintenant à faire pour comprendre aussi quelles étaient leurs relations par leur correspondance, par les œuvres qu'ils s'offrent, par les échanges techniques. Et ça, il y a vraiment aussi là un chantier. Donc on sait que les historiens de l'art du futur ne seront pas en reste. Ils auront de quoi faire. Pierre, je vous pose la même question et je demanderai en plus à titre accessoire, comment est-ce que vous vous racontez Hartung après avoir fait votre livre ? Je commence, non, je vais finir par ça. Juste, j'aurais répondu la photographie moi aussi, et j'aurais répondu aussi le rapport à Anna Eva Bergman, parce que je pense que là c'est vraiment, c'est presque devenu un angle mort de la recherche, et, enfin, qui va être corrigé, mais c'est tout à fait fondamental. C'est assez rare un couple d'artistes dans lequel les œuvres de l'un et de l'autre se ressemblent si peu. Hein, vraiment, il y a un jeu d'écart comme ça. La photographie, Hartung dit de la photographie, c'est ma deuxième mémoire, décidément. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il photographie tout et tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il photographie les gens qu'il a vus ? Parce que c'est son journal intime. C'est pour se souvenir qu'il les a vus. Ensuite, il photographie des détails du monde qui peuvent paraître complètement anecdotiques. Le cache-radiateur de la maison. D'accord ? Un bout d'un morceau de bois sur lequel il y a de la peinture, des taches de peinture dans l'atelier. Et en fait, on s'aperçoit que ça, c'est une sorte de... Une fois qu'il a abandonné, à partir de 1960, la mise au carreau, et qu'il ne va pas passer par un dessin préalable pour faire de la peinture, en fait, la photographie lui sert comme une espèce de nouvelle source dans laquelle il trouve des motifs potentiels qui servent d'impulsion à la peinture. C'est quelqu'un qui a eu une forme de très grande spontanéité au début des années 20 et qui va passer sa vie à avoir peur de ne plus être spontané d'une certaine manière. Et qui, ayant peur de ne plus être spontané, va rechercher du spontané dans l'accidentel. Donc, photographier la cimaise sur laquelle il y a une tache de peinture, photographier un motif comme ça dans lequel il y a une géométrie, etc., c'est une manière de réalimenter son imaginaire en forme possible. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose pour la peinture. Et puis la troisième chose, c'est qu'il photographie ses tableaux. Il photographie ses tableaux parce qu'il va faire un catalogue, qu'il va le faire lui-même, puisqu'il archive tout, il classe tout en permanence, et qu'il accorde une importance magique, littéralement, à ses photographies de tableaux, puisque comme dans sa liste des choses perdues, il a perdu des œuvres, et notamment il a perdu des œuvres parce qu'elles sont restées chez sa sœur à Dresde, et qu'il y a eu un bombardement, bref, qu'il a perdu des œuvres. Quand il va y avoir une exposition au tout début des années 80 au Musée Armentin de la ville de Paris, une sorte d'exposition rétrospective, que va faire Hartung ? Il va faire cette chose complètement ahurissante, c'est qu'en lieu et place des œuvres originales, quand il n'en a plus, quand il a la chance d'avoir des photographies, même noir et blanc, même flou, pour lui, ce n'est pas un problème, il met la photographie de l'œuvre à la place de l'œuvre, de même qu'il va mettre des facsimilés de dessins abîmés ou qui risquent d'être abîmés à la place des dessins abîmés, enfin des aquarelles de 1922, parce que pour lui, ça a la même force. C'est-à-dire que, précisément, ça a la même force mémorielle. Parce qu'à partir d'une photo d'une œuvre, on garde la mémoire de l'œuvre et ça peut donc donner quelque chose d'autre, puisque c'est toujours la peinture qui peut donner quelque chose d'autre. J'ajouterais que d'ailleurs, dans le catalogue, il distingue bien ce qui est facsimilé de photographie de dessin, c'est-à-dire qu'il attribue bien un statut de photographie de dessin comme un objet vraiment autonome. Pierre, du coup, comment est-ce que vous racontez Hartung après votre livre ? Comment est-ce que je me raconte Hartung après mon livre ? Au début, vous avez commencé en disant que pour Hartung, il assimilait le plaisir de vivre avec le plaisir de peindre. On pourrait dire aussi la douleur de vivre avec la douleur de peindre, la joie de vivre avec la joie de peindre, la terreur de vivre avec la terreur de peindre. Pour moi, c'est vraiment une peinture existentielle. Elle dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est agir en peinture. Alors évidemment, on entend l'action, etc. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est que pour Hartung, et ce que montre très bien l'exposition, Hartung, ce n'est pas un homme du chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous faites ? Je peins. Comment vous vivez ? Je peins.
Pourquoi est-ce je vous montre en photo en train de peindre? Mais parce que ma vie, c'est peindre. Et peindre, ça veut dire quoi? C'est l'histoire d'un corps abîmé, et en même temps d'un corps qui se remet debout grâce à la peinture. Pour moi, c'est une aventure existentielle. J'aime beaucoup citer cette phrase de Hartung à la toute fin de sa vie. C'est la fin ahurissante de l'exposition dans laquelle on a ces tableaux gigantesques, les plus grands tableaux qu'Hartung ait jamais peint de sa vie, le format 3 mètres par 5. 3 mètres par 5, et ils sont de la dernière année de la vie de Hans Hartung. Donc ils sont de 89, je passe à un homme de 85 ans et qui est dans un état de très grande fragilité. Et on vient le filmer, Hartung. C'est la télévision régionale qui vient le filmer, et le journaliste lui dit « Mais cher maître, comment se fait-il que vous fassiez des tableaux aussi grands alors que vous êtes si vieux quoi ?» Enfin, c'est dit plus poliment, mais ça revient au même. Et Hartung répond par cette phrase merveilleuse, il dit bah, « C'est peut-être parce qu'en fait j'ai un grand intérieur. » Et quand il dit qu'il a un grand intérieur, ça ne veut pas dire que chez lui c'est grand, même si chez lui c'est très grand. Ça veut dire que, ayant passé sa vie à peindre, son intériorité en est devenue d'autant plus grande. C'est d'un explorateur de ce que c'est qu'être... Pour moi, comment je vois Hartung ? Un être humain, tout simplement un être humain. C'est quelqu'un qui nous apprend ce qu'être humain est et qui nous apprend que plus je peins, plus je suis humain, plus je m'explore, plus mon intériorité devient grande. Pauline Marie, même question. Comment est-ce que tu te racontes Hans Hartung après avoir écrit cet ouvrage? Là, je vais réagir en fait sur la question de la photo, parce qu'on dit beaucoup que Hartung utilise la photo comme un moyen d'archive. C'est tout à fait juste, mais il faut dire une autre chose, c'est que pour Hartung, je suis persuadée que la photo, il y a une fascination pour la photo en tant qu'art, en fait, en tant qu'expression esthétique, parce que il faut rappeler qu'il commence par là, hein, quand il est adolescent, même enfant, il se fabrique un appareil photo avec des boîtes de cigares. Et ensuite, il va monter un vrai appareil photo au bout d'une lunette astronomique pour pouvoir photographier la Lune, etc. Donc, pour lui, ce qui compte, c'est d'arriver à se saisir du monde. Et au fond, peinture ou photo, c'est presque la même chose. Je pense qu'il a des intuitions picturales par la photo, ça c'est ce qui a été beaucoup dit. Et je pense que c'est ce que Romer comprend, et c'est pour ça que Hartung intéresse Romer. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, les cinéastes de la Nouvelle Vague sont obsédés par la supériorité du cinéma. C'est-à-dire comment on va réussir à prouver que dans un monde décadent, où on fait de l'art abstrait, où on fait de l'action painting, mais bon, finalement, une peinture qui a perdu son âge d'or depuis Goya, depuis Rembrandt, comment le cinéma, lui, en tant qu'enregistreur de la nature, est une espèce d'art qui trône parmi au-dessus de tous. Et ce que découvre Romer, c'est que Hartung peint comme il photographie. La fameuse préface dont j'ai parlé tout à l'heure est intitulée comme ceci. Le peintre et le photographe, Hans Hartung, peintre de lumière. Le peintre et le photographe, sous-entendu le peintre Hartung et le photographe moi, parce que pour un cinéaste de la Nouvelle Vague, être cinéaste, c'est être photographe, mais c'est aussi le photographe Hartung. Donc il y a une sorte de gémellité qui est établie entre les deux. Et je terminerai juste là-dessus, sur cette citation. À un moment donné, donc, Romer défend son cinéma dans les années en 70. Les cahiers du cinéma sont assez virulents. Il lui reproche de faire un cinéma naturaliste, c'est-à-dire obsédé par la nature, beaucoup trop... habité par Dieu. Et Romer dit ceci, dit « Mais si je ne trouvais pas belle la nature, l'air, le ciel, l'espace, je ne trouverais beau aucun peintre, ni Léonard de Vinci, ni Turner, ni Hartung. » Voilà. Donc c'est pour dire que ça va ensemble. Magnifique. Les deux ouvrages vraiment de Pierre et Pauline sont tout à fait remarquables. Le catalogue de l'exposition vaut la peine. Les éditions de la Galerie Perrotin sont tout à fait excellentes aussi. Je signale tout ça parce que vous l'avez dans votre dos. Mais avant d'aller faire vos emplettes donc en plusieurs exemplaires, évidemment, la parole est à la salle, non seulement pour poser des questions, mais tout simplement pour faire aussi des remarques ou donner vos impressions. En vous écoutant, ça m'a amplifié une impression que j'avais en visitant l'exposition. C'est le lien qu'elle peut avoir avec une autre exposition magnifique qui est en ce moment, qui est celle d'El Greco.
Et quand vous parlez d'un artiste, on parle d'un artiste extrêmement érudit, on parle d'un artiste que d'aucuns à leur époque ont considéré comme fou, on parle de la vitesse de peinture par rapport au maniérisme. Tous ces liens, là, j'aimerais que vous en parliez, si tant est qu'ils aient un sens. Alors, juste l'anecdote sur Gréco, allez-y. Donc, je peux le faire. Quand Hartung vient à Paris dans les années 20 pour se former dans l'atelier d'André Lhote, dans lequel il s'ennuie copieusement, et donc il demande une carte pour devenir copiste au Louvre, et il installe son chevalet devant un tableau du Gréco, et il fait un dessin que j'ai reproduit dans le livre, qui est une sorte de dessin cubiste, à partir du tableau du Gréco, ce qui fait que des gens, le voyant dessiner, vont voir le gardien en disant « mais c'est absolument scandaleux ce que fait cet homme, c'est le fou Anthony Perkins ». Et le gardien dit « ah non, mais ce monsieur a son permis, il a le droit de faire ce genre de choses ». Mais donc, effectivement, il y a, voilà, dans les gens qu'il va choisir, l'épisode de portrait du Gréco est une chose qui est extrêmement importante. Oui. Les trois maîtres de Hartung, pour le faire simple, le plus grand Rembrandt, dans lequel il découvre donc les taches, les détails des plis de la robe, le deuxième Goya, le troisième Picasso, dont on n'a pas du tout parlé, mais qui était très 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 important pour Hartung. Une autre question ou remarque ? Bonsoir. Une question très brève. Est-ce que ça a été creusé l'influence de la gravure sur son œuvre ? Pierre, à nouveau. Je suis désolé. Oui, il y a quelqu'un qui a dit une chose définitive sur le sujet, c'est Rainer Messen qui a fait le catalogue raisonné de l'œuvre gravée de Hartung et qu'il dit Hans Hartung n'est pas un peintre graveur, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire un peintre qui fait aussi de la gravure à partir de son œuvre peinte, c'est un graveur peintre. Et effectivement, je pense que le modèle de l'estampe, c'est le modèle absolument matriciel, c'est ce que je voulais dire avec cette affaire d'Archer tout à l'heure de Pablo Casals, c'est vraiment la question matricielle. Hartung, c'est d'abord un dessinateur, et c'est un dessinateur pour qui la ligne, c'est autant une affaire de pression et d'incision de la surface qu'une affaire de trait et de dessin. Donc vraiment, le modèle, et il va commencer la gravure très jeune, dans les années 20, et il va pratiquer la gravure de manière constante. Mais ce modèle est un modèle matriciel, à la fois pour la question de l'incision, puisqu'à partir de 60, quand il va abandonner la mise au carreau et passer à l'acrylique, il va se mettre à inciser dans sa toile en la grattant. Il va utiliser également des techniques de cartes à gratter, il va utiliser ce genre de techniques. Mais je viens de perdre juste le fil de ce que je voulais dire. Et puis également utiliser les rouleaux à estampes qu'il va donc reporter. Oui. À mon avis, non, ici, je ne crois pas. Il n'y en a pas là. Non, mais pas là. Surtout, c'est intéressant le modèle de la gravure parce que c'est aussi le modèle de la question des variantes, du multiple, de la multiplication, d'un certain usage de l'image, vraiment la question de la reproductibilité qui est au cœur de l'œuvre de Hartung. Je pense que ça sert de matrice, à la fois parce qu'on a une œuvre source, des états, des variantes, et quand il fait des mises au carreau, très souvent, il va avoir un dessin source et il ne va pas faire une peinture. Il va faire une peinture, deux peintures, trois peintures. Donc on est vraiment sur ce type de modèle. Elsa, très très brièvement, je veux dire qu'il y a eu une autre exposition, d'ailleurs, sur l'estampe en parallèle de celle au Musée d'Art Moderne à Antibes. Je voudrais juste que tu la cites. Oui, c'est vrai, dans un espace à Antibes, c'est important pour nous aussi. Donc, c'est une fondation qui je le dis, ça c'est une évidence, mais je le répète, qui a son siège dans ce qui était l'atelier Villa de Hartung. Donc, il a acheté le terrain avec Anna Eva Bergman en 60. Il y a un certain temps de construction. Il s'y installe en 73 et il décède donc en 89, Bergman 2 ans avant. Donc il avait le souhait que cette fondation devienne voit le jour au lieu même où il a travaillé et vécu. Donc on a à cœur d'avoir des liens avec cette ville d'Antibes et donc on a fait une exposition d'estampes qui s'appelait Hartung Multiple. Mais tu avais pensé à un autre titre au début. Non, c'est toi qui y as pensé. Alors c'était quoi ? Hartung Grave. Moi, j'avais pensé à Hartung Grave, je trouve ça génial comme titre. Et non, finalement, bon, des esprits chagrins nous ont... Allez savoir pourquoi Hartung ça peut Grave marcher. Avec un point d'exclamation. Les gens n'ont pas d'humour. Une autre question, remarque. Oui, Albin. Bonsoir. En fait, sur la technique de mise au carreau, donc qui a été redécouverte, enfin qui a été découverte plutôt il y a une quinzaine d'années, il y avait une volonté d'Hartung de dissimuler cette technique où il s'en cachait pas et c'est quelque chose qui est passé inaperçu. Les deux. Il y a une expression qui n'est pas de moi, qui est d'Annie Clostre, elle parle de mensonge par omission. C'est pas qu'il le cachait, c'est qu'il n'en parlait pas. Alors, il n'en parle
pas, mais il y a cette photographie qui a été retrouvée par la Fondation, magnifique. C'est juste avant la guerre. Il est passé d'ailleurs. Il est passé, c'est juste avant la guerre. Je vous la signalerai. Au moment où Hartung vit avec celle qui va être sa deuxième femme, Roberta González, la fille de Julio González, et elle le photographie dans l'atelier d'Arcueil juste avant qu'il ne parte à la Légion étrangère. Et c'est une photographie complètement mise en scène, puisque Hartung pose devant un tableau avec juste à côté ce qu'on appelle la maquette. Le dessin, le tableau. Mais si on regarde bien la photo, c'est une mise en scène, puisque le tableau, il est terminé, hein, en gros. Donc c'est comme les gens du 19e siècle, il y a plein de photos d'artistes dans leur atelier. Ils ont le pinceau à la main, sauf que le cadre est doré, ça revient d'exposition, c'est une mise en scène. Et c'est comme, là encore par la photographie, une espèce de trace au cas où, juste avant la guerre, une manière de dire c'est comme ça que je faisais. Ensuite, on sait que des gens qui étaient proches de lui connaissaient cette technique. Par exemple, mais le témoignage de Pierre Soulages est toujours un peu compliqué à prendre, savoir comment il faut le prendre. Soulages dit qu'il le savait parce qu'il était proche de lui et que d'ailleurs, c'est précisément ce qui les séparait, puisqu'il y avait une forme de désaccord. Et donc, il y a, enfin, progressivement, il va dire les choses. Mais par exemple, ce qui est très frappant, c'est que quand Jean Clay vient le voir dans son atelier parisien dans les années 60 et qu'il a abandonné la mise au carreau, mais qu'il peint en travaillant une surface qu'il va venir ensuite estamper en la grattant avec différents instruments, il fait promettre quasiment, en lui faisant signer un document, à Jean Clay de ne rien raconter de sa technique. Donc il y a quand même chez lui quelque chose qui est très fort dans une forme d'obsession pour le secret des procédures. Et la maison de Paris, elle est construite d'une manière très particulière, la maison atelier, parce qu'en fait il y a deux ateliers dans cette maison. Et c'est une chose qu'on voit déjà au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il y a un faux atelier, c'est un showroom, et un vrai atelier. Le faux atelier, c'est celui où on fait rentrer, les clients potentiels pour une sorte de sociabilité. Vous voulez voir l'atelier de l'artiste, pas de problème, vous allez voir l'atelier de l'artiste. Mais il y a l'atelier où il travaille vraiment, et ça reste secret. Donc c'est toujours une espèce de jeu surmontré, caché. Et il ne faut pas qu'on sache que c'est comme ça que les choses se font. Il y a aussi de très rares exemples d'expositions où Hartung lui-même décide d'exposer une maquette et une peinture. Je pense à Birmingham 68, par 68, exemple. Oui, c'est ça. C'est le moment. C'est-à-dire qu'en fait, ça, il commence à semer des traces du fait que c'est comme ça qu'il le fait, mais il ne le dit pas. Surtout, il y a un article que tu cites, Pauline, de Roger Bordier. C'est pour ça que c'est en 1956. Moi, je serais un tout petit peu plus nuancée. Je pense que Hartung, il traite les priorités aussi. C'est-à-dire qu'après la guerre, il est en train d'émerger comme figure de l'abstraction lyrique. Donc, il sait que c'est aussi cette partie qu'il faut jouer. Et il répond à une demande. Évidemment que c'est quand même... Oui, c'est pragmatique. Voilà. Il y a une image qui marche. Il n'a rien demandé, mais ça marche. C'est donc ça. C'est-à-dire que pour les journalistes, c'est beaucoup plus spectaculaire d'avoir un peintre minute qu'un peintre qui travaille comme un allumineur, etc. Mais c'est pas il cache rien. Je pense qu'il explique et après, le critique ou le journaliste... choisi dans cette matière. Mais en 1956, il y a un article qui s'appelle justement « L'art et la matière » de Roger Bordier, qui est une très grande interview, et tous les secrets d'artistes finalement sont révélés, puisque Roger Bordier le dit lui-même, il y a deux techniques de travail de Hartung, une qui consiste à improviser directement, et donc sur petit format ou moyen format, et puis l'autre qui en effet consiste à faire un premier dessin et après le reporter de façon très minutieuse, quoi. Et ça, c'est presque une question que j'aurais envie de poser aussi à Pierre, c'est que j'ai l'impression que plus il avance dans le temps, plus il va être attaché à montrer la cuisine de sa peinture. Oui, mais parce qu'on est en 56 et que c'est le moment où Hartung, je ne sais pas s'il en prend conscience, c'est certainement pas une décision théorique, mais effectivement, j'allais dire, sous le coup de boutoir presque de cette pratique autonome, et notamment sous le coup de boutoir d'une pratique très très importante de pastel, va commencer à montrer des dessins comme des œuvres autonomes. Donc, c'est-à-dire que de 56 à 60, on va avoir vraiment ce que raconte Bordier, en fait, c'est visible. On a deux pratiques, on a des peintures faites avec mise au carreau, et on a des dessins qui sont des œuvres en soi et qui ne donneront jamais lieu à mise au carreau et qui sont montrés comme tels. Donc je pense qu'une des raisons pour lesquelles il arrête la mise au carreau, c'est qu'il y a un moment où effectivement l'énergie du dessin original prime sur le besoin de report. Il y a quelque chose qui est épuisé. Alors, vraiment très brièvement, s'il reste très très peu de temps, s'il reste encore une, deux questions brèves et des réponses s'il vous plaît, qui le sont tout autant.
Ah, du coup, alors ça, c'est l'effet castrateur. Celui qui dit maintenant, le temps est compté. Oui. Alors, oui, absolument. Oui, c'est la rue Goguet à Paris. C'est juste à côté de l'atelier de Nicolas de Staël. Et donc, si je peux rajouter. Oui, non, il y a une question. On va vous écouter avec le micro, monsieur. Vous avez évoqué trois références de peintres, mais dans l'affiche, vous évoquez Matisse. Alors, Matisse a été un artiste sur lequel Hartung s'est prononcé également, et surtout qu'il a influencé à la fin des années 20. Il y a des œuvres un peu matissiennes qui sont une espèce de convergence entre Matisse, Picasso et Cézanne. Mais je ne crois pas que... Là, je pose la question à Elsa, surtout, je ne crois pas qu'on ait beaucoup, beaucoup de signes d'une admiration immense de Hartung pour non, Matisse. Je pense pas. Même dans sa bibliothèque, non. pas énormément de non, livres. Non, les démons sur leur... Bergman cite abondamment. Alors, Bergman, Matisse, beaucoup plus, évidemment. C'est un autre sujet. Mais Hartung, non. À ma connaissance, je n'ai pas l'impression. La réponse fut bref. Parfait. Donc, ça laisse le temps pour l'ultime question bref, pour l'ultime réponse brève. Chers amis, puisqu'il n'y en a pas, laissez-moi remercier vraiment du fond du cœur la Galerie Perrotin pour son accueil, pour les magnifiques œuvres qui sont ici accrochées, pour avoir permis cet entretien. Je remercie également du fond du cœur Fabrice Ergotte qui est présent et le Musée d'Art Moderne qui initialement devait accueillir cet entretien et la chose n'a pas pu se dérouler comme prévu pour des contingences matérielles lors du mois de décembre. Mais surtout, vraiment, je voudrais remercier, féliciter les trois intervenants pour la qualité de leurs propos et pour la qualité de leurs travaux. Évidemment, Elsa Houg, qui est toujours incroyablement précieuse à la Fondation. Pierre, Pauline, vos deux ouvrages feront date dans l'historiographie de Hans Hartung. Merci du fond du cœur. J'espère que vous continuerez à travailler comme vous avez commencé à le faire sur lui, à la Fondation. Et en attendant, je ne saurais vous conseiller qu'une seule chose, c'est de se procurer les deux ouvrages qui vous attendent là-bas. Merci à vous tous.